Le président de l'Assemblée nationale est investi par la Cour constitutionnelle comme président de la République par intérim, avec comme mission d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel de 40 jours. C'est terminé. Le putsch au Mali n'aura duré que 15 jours. Après plusieurs jours de négociations, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a trouvé un accord avec le capitaine Amadou Sanogo. Le chef de la junte, responsable du coup d'État militaire du 22 mars, s'est engagé à rendre le pouvoir et à rétablir l'ordre constitutionnel. En échange, la CEDEAO a promis une amnistie générale pour les putschistes ainsi que la levée de l'embargo. Le président Alassane Dramane Ouattara nous a informé qu'immédiatement, il fera prendre les dispositions nécessaires pour que les sanctions qui avaient été adoptées contre le Mali soient levées. Le président de l'Assemblée nationale assurera l'intérim à la tête du pays. Un Premier ministre sera nommé pour diriger un gouvernement d'union nationale. Il aura la lourde charge d'organiser les prochaines élections d'ici 40 jours dans un pays toujours en conflit. L'organisation ouest-africaine menace, elle, d'envoyer une force de 2 à 3 000 hommes dans le nord du pays où plusieurs groupes armés se battent pour le contrôle de la région.